100% PSG sur France Bleu Paris. La question du jour avec vos appels au 01 42 30 10 10. La question du jour est simple, hein, Pia Tourelle, apprenti sorcier, vous validez ou pas? Et puis on a toujours notre spécialiste avec nous, Pia, c'est Aymeric Lemaignan. Aymeric Lemaignan, il est rédacteur pour le site Virage et on va accueillir Aurélien. Eh oui, Aurélien qui est tout jeune, hein, qui est collégien. Bonsoir Aurélien. Salut Aurélien. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je suis un fidèle des émissions, moi, je passe quasiment à tous les matchs. Ah, faut réviser aussi de temps en temps quand même, hein, parce qu'on n'a pas envie de se faire disputer, pour pas dire un autre mot, par papa, maman. On est loin des examens là quand même. Aurélien, tu voulais nous dire quoi sur Thomas Tourelle? Moi franchement, j'aimais bien Thomas Tourelle, j'aimais bien avant la finale de Champions League, parce que je dis pas que la défaite c'est de sa faute, mais on avait largement les éléments pour la gagner. Je veux dire, on avait carrément les éléments, on avait largement les joueurs pour. Et en fait, je sais pas vous l'équipe, mais moi, je sens que les joueurs, ils étaient mal préparés pendant ce match. Parce que finalement, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas d'occasion. Et le Bayern était malheureusement bien mieux préparé. Alors Aurélien, je pense que c'est un débat qui date un petit peu quand même, mais c'est bien d'avoir ton appréciation par rapport à Thomas Tourelle. Et par rapport à cette tactique inédite qu'on a vue hier soir, justement, là, tu analyses ça comment? Bah après, je veux dire, il y a la victoire au bout. Donc finalement, c'est plus important, mais c'est pas non plus contre une grosse équipe. Il y a eu que 2-0. Ça aurait été l'an dernier, Paris aurait mis 6 ou 7-0 à Reims. Voilà. C'est vrai que la saison dernière, on enquillait beaucoup plus de buts. Hein. Pierre, merci beaucoup Aurélien de nous avoir appelé collégien, c'est quand même génial. Et merci de ta fidélité à l'émission. Pierre, notre expert aussi, hein, Aymeric Lemaignan, vous réagissez. Ouais.